le départ évidemment capital, sans parler d'un éventuel faux départ que je ne souhaite vraiment à personne. Pas ça, on n'aime pas ces bip bip bip, mais bon, Pierre-Étienne, hier il y a eu quelques bip 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 qui se sont mués en carton vert, c'est-à-dire que le juge les a pris pour lui, mais il y a eu aussi malheureusement des disqualifications. Alors on va attendre. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose à l'œil nu, moi j'ai pas vu grand-chose. Non, souvent on ne le voit pas à l'œil nu parce que ce sont des athlètes qui bougent dans les starts avant même de pouvoir s'élancer. Et c'est vrai que le jaillissement sur ce plan-là latéral paraissait bon. Oui, franchement, alors on va voir, c'est la cellule évidemment des chronométreurs qui va faire juge de paix sur cette histoire. Et là, le cœur de toutes les athlètes bat la chamade, parce que c'est terrible hein, d'être disqualifié en finale. Alors on va regarder bien sûr attentivement et j'espère que ce sera un carton vert qui va être brandi, je le souhaite de tout cœur. Ça arrange Madina Touré en 11,51 en demi-finale, troisième place lors du tour précédent qui elle avait un petit retard à l'allumage au moment de la sortie des blocs. Ouais, donc ça c'est toujours effectivement bien de recourir. Là il y a une inquiétude qui est palpable évidemment. Chacun essaye de regarder le bout de ses chaussures en disant c'est pas moi. 1988, Patrick, est-ce que ça vous dit quelque chose cette date? Ah ben oui, mais il y a plein, ça me dit plein de choses. Mais en athlétisme, un record Séoul, qui tient Séoul, toujours. Ah, le record de Stefka Kostadinova. De Florence Griffith-Joyner. Ah, Griffith-Joyner, pardon, bien sûr que j'avais, bien sûr. 21,39 sur 200 et 10,49 sur 100 mètres. Lors des sélections olympiques. Oui, malheureusement, ça s'est mal fini pour Flo Jo, qui est morte dans son sommeil, très prématurément. Mesdames et messieurs, alors... Les stataires sont en conclave. Oui, ils sont en conclave, peut-être, dit le speaker. C'est vrai que ça dure longtemps. Alors, quelle couleur de carton va-t-il sortir? Ouais, jaune. Alors, jaune, ça va. Jaune, ça va, c'est un avertissement. Ça sera jaune. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire, c'est un avertissement sans frais qui va être distribué à Natacha Goy. Natacha Goy qui est la tenante du titre, avait remporté la médaille d'or en 11,56 du côté d'Abidjan devant Marie-Gisèle Elémé, la Camerounaise, et Samantha Tagri, la Suissesse, qui obtenait en 11,68 la médaille de bronze. Là il faudra aller plus vite hein. Pour gagner, il faudra aller beaucoup plus vite que ça. Allez, Lena Weiss, la Suissesse au couloir numéro 1, Madina Touré, Burkina Faso au 2, Mabundu Kone, l'Ivoirienne au 3, Jaraso à la Malgache au 4, Natacha Goy, tenante du titre au 5, Jessica Bailly, l'Ivoirienne au 6, Pierrick Linda Moulin au 7 pour le Gabon et Verger Collet Etané, la Camerounaise, à l'extérieur. Et donc au premier plan sur votre écran. Allez, cette fois, c'est parti et c'est bien parti pour Mabundu Kone qui a pris le meilleur départ. Mabundu Kone qui est en train de contrôler Natacha Goy qui essaie de revenir, mais c'est trop tard. Mabundu Kone devant le doublé, devant Bailly. Le doublé de la Côte d'Ivoire. Et troisième place seulement pour Natacha Goy qui n'a rien pu faire, Pierre-Étienne, parce que Mabundu Kone est parti comme une bombe et Natacha Goy s'est un peu crispée à tel point que Bailly est revenu pour assurer le doublé pour la Côte d'Ivoire. Ah, quelle course de Mabundu Kone qui dès la sortie des blocs a fait la différence, l'inverse hein, pour sa compatriote Bailly qui
qui elle a vraiment réalisé un début de course un petit peu en deçà de ses moyens, mais par un gros relâchement en fin de course qui lui permet de récupérer au nez à la barbe d'Engoy cette médaille d'argent. Ouais, ouais, elle est loin. Là, elle est très très loin, elle revient un peu comme Essaimé sur 100 mètres et il n'y a rien à dire. Je pense que Natacha a raté sa course, elle s'est un peu crispée. Le fait de voir Koné devant a dû la gêner un peu. 11-24 pour Koné, 11-38 pour Bailly et Natacha Goy, médaille de bronze, 11-44. Était négatif, Patrick. Ils ont couru avec le vent de face. C'est pour ça que les chronos sont supérieurs à ce qui avait été réalisé en demi-finale. Ouais, en tout cas, la Côte d'Ivoire, les 10 héritières de Muriel Aouré et de Marie-Josée Talou sont devant vous avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas qu'en jonglerie qui sont bons, hein, les Ivoiriens. Médaille d'argent avec notamment Cassio, la légende. Ouais. Battu en finale par le Steyr du Maroc. Quelle belle. Voilà le président donc, qui a tenu à remettre une médaille du 100 mètres féminin. Il ne s'est pas trompé hein, en choisissant cette épreuve. Physique d'athlète, le président. Peut-être pas de sprinter, plus de lanceur. Avec Natacha Doyle donc, qui va recevoir sa médaille de bronze. Troisième et médaillée de bronze, représentant le Congo, Natacha Ngoy Akamabi. Voilà, Natacha Doyle, la Normande du Stade Sotte-Villet en France, donc tenante du titre qui cette fois. Doit se contenter de la médaille de bronze avec ce 11-44, elle peut évidemment beaucoup mieux faire. Elle a un peu raté sa finale, entre parenthèses. Et puis l'avenir du sprint ivoirien, c'est Jessica Bailly qu'on voit ici, qui nous a fait un retour très probant. Elle a raté son départ avant de pouvoir croquer ses adversaires. Sans jamais parvenir à aller croquer celle qui a dominé de la tête et des épaules hein, cette compétition. Oui, rien à dire, Mamoudou Koné a survolé la compétition. Et c'est très logiquement que Mamoudou Koné est sacrée championne de la francophonie. Succédant à Natacha Ndoye, 11-24 pour Mamoudou Koné qui peut encore aller plus vite que ça. Il faudra aller plus vite. Que ça d'ailleurs, si elle veut jouer les premiers rôles et si elle veut venir taquiner son aînée, sa glorieuse aînée Marie-Josée Talou. L'hymne ivoirien donc en l'honneur de Mamoudou et de Jessica. Pour l'hymne national de la Côte d'Ivoire.